comment être riche. L'argent. De toute façon, tout le monde aime l'argent. Je crois que dire qu'on n'aime pas l'argent, c'est un peu facile. Mais moi, je me demande, cette société nous forcerait pas à aimer l'argent? Est-ce que c'est un besoin primitif, vital? On nous apprend à l'école que pour être riche, il faut faire de bonnes études pour avoir un bon salaire. Et toujours dans l'effort pour s'assurer qu'on recevra notre gain chaque mois. Mais évidemment, le salaire n'est jamais suffisant. L'argent devient un bien rare et précieux, donc on en veut plus. On dépense dans les obligations, le loyer, les courses. Mais quand on investit pour nous, ça devient un sacrifice. On économise des mois pour s'offrir quelques jours de vacances. L'année dernière, avec 52 samedis, 52 dimanches, 7 jours fériés, vous avez travaillé 254 jours sur 365 pour entretenir cette société capitaliste qui fait que l'enrichissement monétaire devient un gouffre sans fond qui ne cesse de briser les liens sociaux. Mais les gars, c'est quand qu'on vit pour nous? C'est devenu normal de courir derrière des centimes sans prendre en compte nos sentiments pour payer nos factures tout en fermant les yeux sur les fractures sociales. Le philosophe Platon parle de la pléonexie comme la répétition compulsive de l'avoir, comme une cupidité qui pousse la société à la guerre avec l'étranger et le conflit entre frères. Cette peur de tomber dans le manque crée un déséquilibre psychique ou symbolique. Donner 2 euros à un SDF quand on gagne 1500 balles, c'est être généreux. Dire que c'est l'intention qui compte n'ouvrirait pas une porte à l'avarice, car c'est une excuse pour donner moins. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que la vraie richesse, c'est la liberté de suivre nos envies. Comme quand on était gosse. Un jour, tu veux être peintre, le jour d'après, chanteur, et le jour suivant, t'as juste envie de faire du vélo toute l'après-midi. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire ça. T'as un taf et tu fais la même chose H24 et tu feras la même chose toute ta vie. Dans mon monde à moi, aucune journée ne se ressemble. On est riche dans l'âme et nos rêves gagnent la réalité. J'aime l'argent, mais je n'aimerais pas en avoir trop parce que j'ai beaucoup de rêves. J'ai besoin de rêver. Si j'en avais trop, je pourrais plus rêver. Et toi, qu'est-ce que t'en penses?